forcément loin, loin de ta face. Oh Seigneur, oh, tu m'as aimé. Ah oui, tu m'as cherché. Car je suis du nombre, je suis du nombre de ceux qui sont vêtus de blanc. Merci Seigneur. Je suis du nombre. Je suis du nombre de ceux qui sont vêtus du nombre de gens, du nombre de gens lavés par le sang. Je suis Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Du nombre de gens, du nombre de gens, et lavé par les sangs. Je suis Dieu. J'envie ces gens-là. J'envie ces gens-là. Lavez pas les sangs. Vie tous. Alléluia. Oh, j'envie Abraham. Et lavé par le sang. Jean Lévi. Seigneur, nous te disons merci ce soir parce que nous sommes du nombre de ceux qui sont lavés par le sang. Seigneur, nous te disons merci ce soir parce que tu nous as choisis. Seigneur, tu as laissé ceux qui étaient privilégiés. Tu as laissé les sages de ce monde. Tu as choisi des petits enfants comme nous. Tu t'es révélé à nous dans la chair humaine. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Pendant que ceux de notre génération sont dans n'importe quoi, toi tu nous as choisis. Ainsi cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut. Tu fais miséricorde à qui tu veux. Merci pour ta présence ce soir. Fais ton entrée ce soir. Et que la gloire te revienne, Père. Nous sommes ici pour des réunions de réveil, Seigneur. Il n'y a pas réveil sans guérison divine. Il n'y a pas réveil sans résurrection de mort. Il n'y a pas réveil sans que les estropiés marchent. Il n'y a pas réveil sans que ta main se manifeste. Ô Saint-Esprit des yeux, laisse que pendant ces réunions, Père, que les aveugles voient. Pendant ces réunions, Père, que nos vies spirituelles s'accroissent. Pendant ces réunions, Père, que nous nous rapprochons encore près de Dieu. Pendant ces réunions, Père, que les gens quittent du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se réunissent dans cette assemblée. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alors que ce soir, nous ne parlerons pas de quelqu'un d'autre. Alors que nous parlerons de toi. Et toi, tu es ta parole. Et partout où ta parole est prêchée, tu la confirmes.
confirme ta parole ce soir. La Bible déclare, alors que Pierre prononçait ces paroles, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Seigneur, alors que ces paroles seront en train d'être prononcées, que chacun de nous soit rempli de l'effusion du Saint-Esprit. Merci Seigneur de l'avoir fait. Nous te remettons le reste entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se mettre un peu? Alors, je suis très content ce soir de me retrouver au milieu de vous et dans la présence du Seigneur Jésus. Je sens une forte gloire déjà ce soir. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je sais qu'avant que nous puissions terminer, quelque chose va se passer. Si tu es connecté, dis Amen. Si tu es connecté, dis encore Amen. Si tu es connecté, donne-moi Amen trois fois. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Où on disait, c'était le président de la maison des dons de Baruti Tabernacle à Kinshasa. Et il m'a écrit, il m'a dit que Dieu lui a parlé dans la maison des dons à Kinshasa, que le frère Miracle est en train de prêcher ici à Bukavu. Ah, nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui voit. Et il a dit qu'il y a des gens qui ont des maladies incurables dans cette église. Des problèmes qui ont persisté. Et Dieu m'a donné l'autorité pour qu'en priant, que ces gens-là reçoivent leur guérison. J'étais ébloui ce matin. Alors que je recevais ces messages d'un monsieur que je ne connais pas. Et dans son message, il a dit, il y a un frère là-bas à Bukavu, dans l'assemblée, qui s'appelle Benjamin Manengabe. Et ce frère a un puissant don. Nous allons faire deux lignes de prière. Moi et le frère Benjamin. Et Dieu va opérer des miracles. Alors, j'ai appelé le directeur de la maison dedans. De Baruti Tabernacle. J'ai pour confirmer si peut-être il nous connaît, il connaissait le frère ou il connaît, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il ne connaît pas. Il a jamais vu. Et c'est sorti dans la maison dedans alors qu'ils étaient en train de prier. Et il m'a dit, comme signe, Dieu a parlé au frère Benjamin de la même chose. Il a dit ça au pasteur Baruti. Et c'est comme ça qu'il devait nous donner ce message. J'ai fait parvenir ça au pasteur Sikou. Estaïda en Galilée et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Tu peux dire avec moi, Seigneur. Tu peux le dire fort, Seigneur. Nous voudrions voir Jésus. Élève ta main, dis, Seigneur. Nous voudrions voir Jésus. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Nous voulons te voir pendant ces réunions et que tu fasses des choses inattendues. Dans le nom de Jésus-Christ,
Amen. 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 Madame dit, Jésus-Christ peut étancher votre soif. Dieu, en créant l'homme, il a mis en lui une soif. Et frère Branham dit que la seule personne qui peut étancher cette soif, c'est Christ. Alors il part s'enivrer. Il part fumer. Il a une soif en lui. Il ne sait pas comment étancher. Mon frère, ma soeur, la soif que tu as à l'intérieur, ce n'est pas aller chercher une autre femme, ce n'est pas aller chercher un autre homme. Cette soif là appelle Jésus Christ. Amen. Cette soif en nous, c'est Dieu qui l'a mis pour qu'à chaque fois nous allons vers lui. Et David est un homme spirituel. Et David est un vrai chrétien. Il avait soif des dieux. Il dit comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi Dieu. Mon âme ne soupire pas après les convoitises. Mon âme ne soupire pas après l'argent. Mon âme ne soupire pas après les femmes. Mon âme soupire après Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de Dieu ce soir? Frère Branham dit, la profondeur appelle une autre profondeur. Seuls les gens qui ont la soif de Dieu peuvent recevoir Dieu. Branham dit, Dieu se révèle toujours à ceux qui l'ont désiré. Il se révèle toujours à ceux qui s'attendent à lui. Dieu ne peut pas se révéler à toi si tu ne t'attends pas à lui. Ce soir, j'ai soif de Dieu. Mon âme soupire après Dieu. Seigneur, j'ai encore un peu plus de toi. Chaque année qui passe, ton amour en moi augmente. Mon amour pour toi accroît. Mon amour pour toi grandit. Je veux les amoureux de Christ ce soir. Parce que seuls les amoureux de Christ peuvent voir Christ. Amen. Amen. David continue au verset 3 pour dire, mon âme a soif de Dieu, virgule, Kato, du Dieu vivant. Je n'ai pas seulement besoin de Dieu, si t'as dit tout Mungu, mais j'ai besoin d'un Dieu. Astarte, il y a des dieux de ceci et de cela. Il y a des dieux qui ne répondent pas. Je parle sur ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de voir Jésus. Ce dont l'église a besoin aujourd'hui, c'est de voir Jésus. Nous n'avons pas besoin de voir les papes. Nous n'avons pas besoin de voir les présidents. Nous n'avons pas besoin de voir les diacres. Nous avons besoin de voir. C'est ce dont j'ai besoin ce soir. Et je crois que Jésus ne manque jamais au rendez-vous. Je crois que Jésus ne choue jamais. J'ai besoin de voir Jésus. Ces Grecs n'ont pas dit, nous sommes un peu en tourisme, hein? Mais est-ce que Jésus est là? On a aussi envie de lui voir, hein? On peut les saluer un peu, on passe. Ces Grecs n'avaient pas une envie de voir Jésus. Ils n'avaient pas un désir de voir Jésus. Ils avaient besoin de voir Jésus. Il y a une différence entre l'envie, les désirs et les besoins. J'ai regardé dans mon dictionnaire. Quand on dit envie, il est dit convoitise mêlée ou non de dépit ou de haine. Inasema kutamania kitu fulani au inakuwa kama vile chuki. À la vue du bonheur ou des avantages de quelqu'un d'autre. Wakati unaona wema ama uweri ya mtu mwingine. Ça c'est une envie. Ile inakuwa tamaa. Je vois un frère qui est bien habillé. Naona ndugu anafanya mzuri. J'ai aussi envie de m'habiller comme. Tamaa ya kuvaa kama vile yule ndugu.
Je vois quelqu'un qui mange un bon plat. J'ai aussi envie de manger. Hein. Les envies sont temporaires. Les envies sont temporaires. Ça passe. Maintenant, là, je peux avoir envie de manger les spaghettis. Si je ne mange pas, est-ce que je meurs? Si je ne mange pas ça, est-ce que je meurs? Si je ne mange pas ça, est-ce que je meurs? J'ai envie de porter une cravate. Si je porte pas ça, est-ce que je meurs? Nakufa. C'est l'envie de quelque chose que j'ai convoité. Les désirs, ce sont des souhaits. Les désirs, c'est le souhait. Je désire voyager. Je désire partir à Goma. Je désire partir à Kin. C'est un souhait. C'est temporaire, ça peut passer. Mais un besoin. Le dictionnaire dit, besoin veut dire exigence née d'un sentiment de manque, de privation, de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Hey! Exigence née d'un manque, de privation, de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Oh my God, c'est moi Jésus. Mais j'ai besoin de Jésus. Parce que Jésus-Christ est nécessaire. Non pas seulement à ma vie organique, mais même à ma vie spirituelle. Oh my God. Des gens qui ont besoin de Christ ce soir. Dis avec moi, il est nécessaire à ma vie organique. Si je me suis réveillé ce matin, ce n'est pas la force d'un homme. C'est la force de Jésus. Il est nécessaire à ma vie organique. Le souffle que je possède, c'est Christ qui me l'a donné. Christ me l'a donné. Il est nécessaire. Alléluia. Amen. À ma vie organique. Comme preuve. Quand je dors, je dors. Quand vraiment on dort, on dort. Tu dors, tu dors. La Bible déclare, si l'Éternel ne garde pas la ville, la sentinelle là ne veille, ça veut dire Jésus-Christ est nécessaire à ma vie organique. Amen. Amen. C'est ce dont j'ai besoin ce soir. Et frère Branham dit dans Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Au paragraphe 19. Maintenant, de 1964, le 4 mars, maintenant, voici la question que nous nous posons ce soir. S'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que ces Grecs, des gens des nations, ont demandé les voir, à les voir, et qu'il leur a été permis de les faire par un de ses serviteurs, alors il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pourquoi ne pourrions-nous pas les voir ce soir? Frère Branham dit, si ces Grecs, les gens de la nation, ont demandé à les voir et qu'il leur a été permis par un de ses serviteurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que nous aussi ce soir, nous pouvons les voir. Quelqu'un a besoin de voir Jésus? Nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes les gens de la nation. C'est que nous pouvons voir Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je vous donne un petit exemple. Une femme qui est nouvellement mariée, une femme qui vient d'être épousée, il
il y a peut-être 2 semaines. Cette femme-là a besoin d'avoir une maison où il y a des meubles, n'est-ce pas? Où il y a à manger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une maison où il y a tout, il y a des chaises. Y a... Parce qu'elle sait qu'elle va commencer à accueillir les gens, n'est-ce pas? Elle a besoin aussi d'avoir ça. La provision, les habits pour venir à l'église, pour sortir. Elle se sent qu'elle est femme. Mais si vous voulez voir ce dont cette femme a réellement besoin, ravissez-la à son mari. Ravissez-la maintenant son mari. Dites-la non, on t'a donné les chaises. On t'a donné l'argent. On t'a donné la provision. Mais ton mari, on est parti avec lui. Il ne viendra plus. Vous verrez réellement ce dont cette femme a besoin. Parce que le mari représente l'époux. Le mari représente les géniteurs. Cette femme sait que sans son mari, elle n'aura pas la vie. La maison sera stérile. Les verres, c'est bien. Les chaises, c'est bien. Mais il n'y aura pas de vie dans la maison. Car seul son mari peut lui donner la vie. Et ce soir, nous avons un mari. Prenez tous les dons que vous voulez. Prenez les prophéties que vous voulez. Mais ne me ravissez pas, Jésus. C'est lui le mari de l'église. C'est dont l'église a besoin, c'est d'avoir Jésus. Il est l'époux géniteur. Quand il est là, je produis la vie. Quand il est là, je porte des fruits. Quand il est là, j'ai les fruits de l'esprit. Quand il est là, je ne suis pas stérile. Ravissez-moi l'argent. Ravissez-moi tout ce que vous voulez. Je viens d'être épousé. Ne me ravissez pas mon mari. Ah, dis avec moi, ne me ravis pas Jésus. Ne me ravis pas Jésus. C'est l'époux génitaire de l'église. Amen. Amen. Une église qui a rejeté Christ, il n'y aura pas de miracle. Une église qui rejette Christ, il n'y aura pas la bonne semence. Car l'époux génitaire n'est pas là. Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est d'avoir Jésus. J'ai besoin d'avoir Jésus. Amen. Amen. Et quand nous parlons de voir Jésus, à chaque fois que nous parlons de voir Jésus, les religieux nous présentent la photo de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des gens connectés ici? À chaque fois que nous voulons voir Jésus, les religieux nous présentent la photo de Jésus. À chaque fois que nous voulons voir Jésus, les religieux nous présentent la costume que Jésus avait porté. À chaque fois que nous voulons voir Jésus, les religieux nous présentent la lettre de Jésus. Hey, c'est dont j'ai besoin ce soir. Ce n'est pas la photo de Jésus. Je n'ai pas besoin de la lettre de Jésus. Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est de Jésus lui-même. Amen. J'ai besoin de Jésus lui-même. Frère Branham me dit, comment une personne malade qui a froid dans son intérieur, il a besoin d'être réchauffé. Au lieu de lui donner le feu, vous lui donnez une photo de feu. Je n'ai pas besoin de la photo de feu. J'ai besoin du vrai feu. Le temps des histoires est passé. Histoire racontée sans faute. Adi Sinjo,
Eleza. Manifeste alors. Ziri Shabasi. Rien. Hakuna kitu. Frère Branham a dit. Dugu Branham anasema. Frère Branham a fait. Dugu Branham alifanya kanjo. Il n'a pas seulement dit. Hakusema katu. Mais il a aussi fait. Lakini pia alikuwa anafanya. Jusqu'à quand nous allons dire Frère Branham a dit. Mpaka nilitasema Dugu Branham alisema. Dugu Branham alisema. C'est le temps de manifester Jésus. Ni wakati wa kudhihirisha Yesu. Hallelujah. C'est le temps de voir Jésus en lèvres. Ni wakati wa kuona Yesu mukazi. Frère Branham raconte une histoire. Dugu Branham analeza hadithi moja. De sa fille. Kuhusu binti wake. Rebecca Branham. Rebecca Branham. Elle était une petite fille. Alikuwa binti kidogo. Et Frère Branham, vous savez, c'était un grand missionnaire. Dugu Branham anakuwa alikuwa missionnaire mkubwa. Il partait ici, il partait alikuwa là. Anaenda huku, anaenda kule. Il laissait à chaque fois sa famille. Kila mara alikuwa analiacha jamaa lake. Et cette période-là, le prophète avait tellement beaucoup voyagé. Na ile wakati Dugu Branham alikuwa amesafiri sana. Qu'il n'avait pas eu le temps pour sa famille. Hakukuwa na wakati kwa ajili ya jamaa lake. Et qu'est-ce qu'il faisait dans son voyage? Na alikuwa anafanya nini katika safari yake? Il a envoyé à Becky sa fille. Il a envoyé à Becky des cadeaux. Il achète une poupée. Il transfère cela. Il envoie à Becky. On donne à Becky. On dit papa a envoyé ça. Baba alikutumia hii. Ok. Dio. Branham encore. Il achète des bonbons. Il envoie à Becky. Becky, je t'ai envoyé des bonbons. Becky nimekutumia mabonbon. Becky a accepté, ok papa. Becky alikuwa anasema ndio baba. Mais papa ne se fait pas voir. Lakini baba haiko naonekana. Un jour Branham a envoyé la lettre à Becky. Siku moja Dugu Branham akamwandikia Becky. Elle a écrit à Becky. Akamwandikia Becky. Elle a dit Becky ma chérie. Akasema Becky mpendwa. Papa t'aime beaucoup. Baba nakupenda sana. Et ceci cela. Na hiki na kile. Sois sage. Pokea hiki, kuwa na hekima. Papa t'aime beaucoup. Baba nakupenda sana. Il a envoyé la lettre. Akatuma barua. Et cette fois-là on a donné à Becky. Na hiyo mara akimpatia Becky. Becky a lu la lettre. Becky a isoma yo barua. Elle a dit je vais parler avec papa. Kasema nataka nizungumze na baba. Meda appel. Meda baadaye. Akaita. Chérie, on veut te parler par notre fils. Kasema natafuta kuzungumzia binti wetu. Et Becky a commencé à dire à papa. Na Becky akaanza kumzungumzia baba. Papa, je veux te voir. Baba nataka nikuone. Papa, je veux te voir. Baba nataka nikuone. L'église parle à Jésus. Kanisa nazungumzia Yesu. Seigneur, je veux te voir. Bwana tunataka tukuone. Je veux te voir. Nataka tukuone. Ça fait longtemps je veux te voir. Inakuwa siku mingi tunataka tukuone. Frère Branham dit à Becky. Ndugu Branham anamwambia Becky. Mais chérie, lakini mpendwa. Je t'ai envoyé des poupées. Nimekutumia mapopi. Je n'avais pas vu ça. Haukuziona. Becky dit papa, j'avais reçu les poupées. Becky anasema ndio baba nilipokea hizo poupées. Il dit c'est bien. Nasema ni vema. Tu t'avais envoyé encore des bonbons. Nimekutumia tena mabonbon. Je n'avais pas vu ça. Haukuziona hizo mabonbon. Becky dit papa, j'ai vu les bonbons. Becky anasema ndio baba niliziona hizo bonbons. Il dit je t'ai envoyé une lettre. Nasema nilikutumia hata na barua. J'ai mis un cœur là-bas à la fin. J'ai signé. J'avais pas vu ça. Il dit papa, baba, j'ai vu la lettre que baba, tu as envoyée. Niliona, mais ce dont j'ai besoin, c'est de papa lui-même. Baba, mwenyewe. J'ai besoin de papa lui-même. Baba mwenyewe. Dis avec moi, j'ai besoin de papa lui-même. Naitaji, baba mwenyewe. J'ai besoin de papa lui-même. Naitaji, baba mwenyewe. Je n'ai pas besoin de lettres de papa. Je n'ai pas besoin de bonbons de papa. J'ai besoin de papa lui-même. Les poupées, c'est bien. Les bonbons, c'est bien. Mais je veux que papa me porte dans ses bras. Ça, les bonbons ne peuvent pas le faire. Les poupées ne peuvent pas le faire. Dieu doit nous porter dans ses bras. Nous devons sentir sa chaleur. Il doit porter, il doit te porter dans ses bras. Il doit guérir tes maladies. Il doit te porter dans ses bras. Il doit te porter dans ses épaules. Ça, la photo ne peut pas le faire. Frère Branham prie. Et dit Seigneur, je prie que cette colonne de feu et cette colonne de nuée quitte la photo et entre dans les gens ce soir. J'ai besoin de papa lui-même. J'ai pas besoin de la lettre de papa. J'ai pas besoin de la photo de papa. C'est dont je désire. Il est mon itaji. Papa lui-même.
Baba mwenyewe. Papa lui-même. Baba mwenyewe. Il y a des cas qui nécessitent Dieu lui-même. Kuna makesi ambayo zinaomba Mungu mwenyewe akuje. Daniel dans la fosse au lion. Daniel katika shimo ya simba. Michael a dit que je parte. Michael akasema acha niende. Gabriel déjà s'est préparé. Gabriel Daniel kuna chitayarisha. Non, Gabriel. Gabriel. Michael. Michael. Merci asante, pour la, asante. Merci pour la volonté. Asante kwa. Mais ce genre de cas. Lakini il faut papa lui-même. Inabidi baba mwenyewe. Mon problème a besoin de papa lui-même. Shida yangu na itaji baba mwenyewe akue. J'ai dit aux voisins. Niliambia wa jirani. J'ai dit aux amis. Niliambia wa rafiki. J'ai dit même aux inconnus. Niliambia hata watu wenye misi. J'ai dit aux docteurs. Nikaambia waganga. J'ai expliqué les parents. Nikafasiria wazazi. Il y a pas de solution. Hakuna mtu mwalinipatia solution mbote. Mon problème a besoin de papa lui-même. Shida yangu na itaji baba mwenyewe. Mon problème a besoin de Dieu lui-même. Shida yangu inahitaji Mungu mwenyewe. Oh Dieu. Oh Mungu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Kama vile hela ina. Ainsi mon âme soupire après toi. Hivyo nafsi yangu inaugua. Mon âme a besoin de Dieu. Nafsi yangu inahitaji Mungu. Pas seulement un Dieu. Hapana tu Mungu. Mais un Dieu vivant. Lakini Mungu aliye hai. J'ai besoin de papa lui-même. Inahitaji baba mwenyewe. Pour les problèmes de ma vie. J'ai besoin de papa lui-même. Je sens une forte présence de Dieu ce soir. Je crois que papa lui-même sera ce soir. Non, je vais dire, je crois que papa lui-même est là ce soir. Et frère Branham dit, quand il est là, il n'est pas comme un téléspectateur, mais il est comme un acteur principal. Il est comme l'acteur principal. Seigneur, prends place. Bwana chukua nafasi. Prends place maintenant. Chukua nafasi sasa bwana. L'homme ne peut pas toucher. Mtu hawezi kugusa. L'homme ne peut pas guérir. Mtu hawezi kuponyesha. Seul toi qui peux toucher. Wewe tu peke yako unaweza kugusa. Seul toi qui peux guérir. Wewe tu peke yako unaweza kuponyesha. J'ai besoin de papa lui-même. Ninahitaji baba mwenyewe. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans mes sinus nous voir Jésus. Katika mahubiri mabwana tunatafuta kumuona Yesu. Du 12 novembre 63. Siku 12 mwezi wa 11 makomo 215. Kwa sheria ya 215. Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Il disait Dieu est ici. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa puissance est exactement la même. Aujourd'hui qu'elle a toujours été. Il ne faillit pas. Il ne peut pas faillir. Il est Dieu. Il doit demeurer Dieu. C'est juste. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Pas entendre la mécanique, apana kusikia mundo wa vyuma, mais voir sa dynamique. Lakini kuona utendaji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas entendre la mécanique de Jésus, apana kusikia nguvu za vyuma ya Yesu, mais voir la dynamique de Jésus. Lakini kuona nguvu za utendaji za Yesu. Je n'ai pas besoin d'un Jésus mécanique ce soir. Nahitaji Yesu wa muundo wa vyuma. J'ai besoin d'un Jésus dynamique. Lakini nahitaji Yesu wa nguvu. J'ai besoin d'un Jésus tikotak. Nahitaji Yesu wa kuona pale pale. Moi je l'appelle le Dieu de la Médina. Niko na muita Yesu Mungu wa Medina. Donc le mec de la mécanique. Niko sema mkono wa muundo wa vyuma. Et le Dina de la dynamique. Inakuwa dina ya ile. Nous devons prendre la mécanique. Medina. Et la dynamique na moto, et les mettre ensemble. Alors les miracles vont se produire. Alors les produits vont s'accomplir. Frère Branham dit, pas entendre sa mécanique, mais voir ça. J'aime quand je prêche avec des détails. Frère Branham n'a pas dit, pas entendre sa mécanique, mais entendre sa dynamique. Est-ce que vous avez remarqué? Il a dit,
pas entendre la mécanique, hapana kusikia muundo wa vyuma, voir, lakini kuona hizo nguvu za utendaji. La dynamique ne s'entend pas. Ile utendaji wa la dynamique se voit. Lakini inaonekanaka. La dynamique se voit. Ile utendaji wa nguvu inaonekanaka. Eh! Ça se constate. Inatambulikanaka. Ça se voit. Unaiona. Ce soir. Jioni ya leo. Monsieur. Bwana. Nous voudrions voir Jésus. Tunataka tumuone Yesu. Nous ne voulons pas entendre Jésus. Hatutaki tumusikilize Yesu. On en a marre des explications de Jésus. Tunachoka na mafasirio ya kutufasiria Yesu. On en a marre des citations de Jésus. Tunachoka na mitajo ya Yesu. On en a marre des brochures et des brochures. Tunachoka na vijitabu na vijitabu. Des paragraphes et des paragraphes. Mashairi na mashairi kuzingine. La dynamique. Moto. Ne s'entend pas. Haisikilikanake. La dynamique se voit. Moto inaonekanaka. Pas entendre sa dynamique. Hapana kuisikia. Voir sa dynamique. Lakini kuiona. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui verront la dynamique de Dieu. Naikisha kama kuna watu ambao wataona moto wa Mungu hapa. Tu verras la dynamique des yeux ce soir. Frère Branham dit, dans c'est le lever du soleil, au paragraphe 104, nous avons trop insisté sur la mécanique. Nous avons trop insisté sur la mécanique. Frère Branham dit, Frère Branham alisema. Mon frère, ma maman est malade ici. Ndugu yangu mama anagonjwa hapa. Tu sais dans les brochures, c'est unajua katika kanda ya nabii. Tout à coup. Yote pale. Tradition Bukavu. Matafsiri ya Bukavu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema mule. Quand vous êtes malade comme ça. Wakati unagonjwa hivyo. C'est que ni kusema nous avons trop insisté sur la mécanique. Nous voulons voir la dynamique. Tunatafuta kuona utendaji, nguvu za utendaji, moto. Nous devons demeurer dans la sainteté. Tunapaswa kudumu katika utakatifu. Je parle de ce dont nous avons besoin. Niko nahitaji kuhusu, niko nasema kuhusu ile moto nahitaji. Dieu n'aime pas Mungu apenda les péchés. Zambi. Mais l'homme crée la mort. Lakini mtu hata hivyo anaogopa mauti. Il oublie que le péché c'est la mort. Anasahau kwamba dhambi ndio inaletaka mauti. Dieu réside là où il y a la sainteté. Mungu ukaa mahali panapopatikana utakatifu. Il a dit sois saint. Anasema kuwa mtakatifu. Comme votre père dans les cieux je suis saint. Kama vile mimi baba yenu katika mbinguni niko mtakatifu. Il se peut que tu ne saves pas comment être saint. Inawezekana haujui namna gani kuwa mtakatifu. Car le saint c'est seulement Dieu. Kwa kuwa mtakatifu pekee ni Mungu. Alors je veux que tu demandes. Sasa nataka kufuta kuomba Seigneur. Bwana. Avec ma propre sainteté ça n'a pas marché. Pamoja na utakatifu wangu kujifanyisha bikuendeka. J'ai fait des efforts ça n'a pas marché. Nifanye nguvu zangu zote bikuendeka. Je demande que tu viennes vivre ta propre vie en moi. Ukuta kuishi maisha yako mwenyewe ndani yangu. Car Paul a dit. Paul alisema, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, tu ne feras aucun effort. Kama Christ anaishi ndani yako, hautajikaza tena. Ce sera sans effort. Utakuwa bila kujikaza. La vie de la sainteté sera. Maisha ya utakatifu itakuwepo. La vie des miracles sera. Maisha ya miujiza itakuwepo. La vie des prodiges sera là. Maisha ya maishara kubwa itakuwepo. Ton langage sera changé. Usemi wako utabadilika. Ton apparence sera changée. Kuonekana kwako pia kutabadilika. Amen. Amen. Si nous voulons avoir un réveil. Kama tunataka kuona uamsho. Pendant ces réunions. Wakati wa hii mkutano, c'est dont nous avons besoin. Ile ambayo tunahitaji, c'est une vie sanctifiée. Ni maisha ya kujitakasa. Ici les gens n'aiment pas ça. Watu wapendake hii. Ils aiment seulement quand on dit reçois ton miracle. Wanapenda waambie pokea muujiza wako. Reçois ta bénédiction. Pokea baraka zako. Mais la vie sanctifiée c'est la base de la vie des miracles. Maisha ya utakaso ndio msingi ya miujiza yenyewe. Parce que l'ombre de Pierre. Kwa kuwa kivuli ya Petro. L'ombre humaine. Kivuli tu ya mtu, kivuli ya mtu. Guérit les malades. Ilikuwa inaponyesha wagonjwa. Hallelujah. C'est parce que sa vie. Ni kwa sababu maisha yake. Était tellement sanctifié. Ilikuwa inajitakasika sana. Comment expliquer? Paul qui prend des mouchoirs, il fait comme ça. Pedro, on prend des mouchoirs d'un homme. Yamutu. La sueur d'un homme. Jasho yamutu. On impose sur les malades, ils sont guéris. Wanaitine wagonjwa na wanapona.
c'est que son corps était tellement sanctifié et disposé à recevoir quelque chose et disposé à communiquer quelque chose. Si nous voulons être guéris, sanctifions-nous. Si nous voulons voir les réveils, sanctifions-nous. La Bible déclare quand le peuple a voulu voir Dieu, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dis à ce peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Car Dieu est un Dieu saint. Frère, ton ministère n'ira pas de l'avant quand tu cours derrière les femmes. Même si tu as des citations communes, tu vas lire citation à Danze, tu lis comme ça, on est assis. Mais la citation ici. Depuis que tu lisais, mais une autre personne vient. Il prend la même citation. Les gens ne savent pas comment réagir. Il prend la même citation. Tout le monde est debout. Tout le monde est béni. Tout le monde sort en train de dire non, non, non. Non. Les frères là, quand il a parlé, tu commences à dire non, non, l'église là est contre moi. L'église n'est pas contre toi. Dieu est un Dieu saint. Merci Jésus. Quand c'est saint, ça se sent. Une vie sanctifiée, ça se ressent. Jésus pouvait venir. Il s'éteint comme ça devant un démon. Les démons lui-même commence à dire, fils de Dieu, qu'a-t-il entre nous et toi? Jésus n'a pas parlé. Il est en train de venir seulement. Les démons de légion ont commencé à crier, fils de Dieu, qui a-t-il entre moi et toi? Qui a-t-il entre nous? Nous te demandons pardon. Jette nous-mêmes dans les ports. Est-ce que Jésus avait dit un mot? Il avait lu la citation de Moïse. Il vivait dans un champ magnétique de sainteté. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des frères et des sœurs qui vivent dans un champ magnétique de sainteté. Mon rayon est sanctifié. C'est quoi frère Branham pouvait dire? Il défie chacun dans l'assistance. Les incroyants et les sceptiques. Il leur dit, si vous êtes homme, venez vous tenir à ma droite. Cela voulait dire quoi? Il y avait un champ magnétique de sainteté. Il y avait une présence étrange qui faisait qu'aucun homme ne pouvait venir là. Si quelqu'un osait, il allait tomber. Vous doutez? Un jour, frère, madame était dans une campagne. En plein air. Des milliers de personnes. Il y avait un fou réputé. Un fou qui tuait les prédicateurs. Qui battait les prédicateurs. Frère, madame dit, Tobili Osborne était là. Ce jour-là, devant beaucoup de gens. Et le fou était. C'est levé. Il a dit, toi, prédicateur, menteur, sorcier, aventurier, tu viens ici mentir les enfants de Dieu, je vais te déchirer, je vais te tuer. Frère Branham dit, tout le monde commençait à fuir. Chacun dans son coin. C'est que les fous ignoraient. C'est que tout autour de William Branham, il y avait un champ magnétique de sainteté. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Ce que les fous ne savaient pas, c'est que tout autour de cet homme, il y avait la grande colonne de feu. Les fous ne savaient pas.
Ça, ce n'est pas un homme ordinaire. Depuis son enfance, la voix lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Car lorsque tu seras grand, je ferai de grandes choses. Je me demande pourquoi Dieu a voulu parler à Branham à l'âge de 7 ans. Et la première parole, ce n'est pas que tu feras des miracles. La première parole qu'il a dit à Branham, ce n'est pas que tu es un grand prophète. Toi, quand tu vas prier seulement, toi, la première parole qu'il a dit à William Branham, un interdit. Il lui a donné un interdit. Ne bois pas. Ne fume pas. Ne suis pas. Tes pensées. Ton. Mwili wako. Je ne sais pas. Connaissez l'ingala. Zambata la ramotema. Mungu anaona kanjoro. Dieu regarde les cœurs. Mungu anaangalia kanjoro. Frère, Dieu regarde les cœurs. Ndugu Mungu anaona kanjoro. Frère. La chair ici est faible. Mwili ndugu yangu ni msaifu mwili. Ha, Dieu riche en miséricorde. Mungu ni mwingi wa rehema. Toi qui regardes les cœurs. Mungu wewe ambaye unaangalia moyo tu. Pour cette fille, moi je ne peux pas, Seigneur. Même cette fois-ci, Père, les dieux de Samson, Mungu wa Samson. Pourquoi, frère Branham, Dieu n'a pas dit à Branham, ne bois pas, ne fume pas tes pensées. Ne suis pas ton esprit. Dieu a besoin d'un corps saint. Mungu anahitaji mwili ambao unatakasika. Il a besoin d'un corps saint. C'est dont nous avons besoin ce soir à Mungu. C'est des diacres sanctifiés. Ce sont des chantres sanctifiés. Parce que David était sanctifié quand il chantait. Les démons sortaient de Saoul. Depuis que tu as commencé à chanter. Non, on a même la colère. Quand toi tu chantes, non, c'est fâche. Donc quand toi c'est moi tu passes. Ça tu on appelle tu coupes. On appelle les frères miracles béni. Miracle. Les frères ils aiment chanter pourquoi? Parce que frère, ta vie n'est pas sanctifiée. Mais si ta vie est sanctifiée, peu importe l'accord de la guitare, peu importe la batterie, les drums, les synthés, quand c'est moi tu commences, rocher d'âge, fendi pour moi, amen. Laisse-moi me cacher. Les maladies quittent les gens. C'est que tes rétrogrades commencent à revenir. C'est que les pensées étaient à la maison commencent à ressaisir. Parce que Dieu cherche un corps sanctifié. Et ces fous de Gadara, c'est des fous qui est venu devant Frère Branham. Il a dit, je vais te tuer ici. Un désert de bonnes aventures. Tu vas mourir ce soir. Tout le monde se sont dispersés. Les diacres Daniel. Coin. Papa James, coin. Papa James, c'est coin. C'est lui-ci. Oui, ngambo yake. On a laissé le prophète lui-même. Les champs magnétiques de la sainteté ont commencé à faire. Les champs magnétiques de la sainteté. Il y avait des vibrations de la sainteté. Mais quand les fous approchaient, il est entré dans une circonférence où il y a l'intouchable Dieu. Il est entré dans un cercle où il y a les touchables. Périmètre sécurisé. 6600 volts.
danger de mort. Attention. Ne faites pas ça chez vous. Les fouilles entrent seulement comme ça. Chaos. Ils étaient à genoux. Il est tombé par terre. Parce que là, restait le Dieu tout-puissant. Le créateur de la jeunesse. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le Dieu des prodiges. Une histoire me vient à la tête. Un jour, c'était les Philistins ou les Amoriens, je ne sais plus. Ils sont partis combattre les Israélites. En ce temps-là, il y avait un roi qui ne respectait pas la parole de Dieu. Et Dieu avait permis qu'il puisse gagner les Israélites. Ces Philistins ont gagné les Israélites. C'était les Amoréens, je crois. Ils ont gagné. Au lieu de partir, Dieu vous a laissé un peu gagner parce que son peuple n'est pas sanctifié. Des fois, d'autres maladies qui te frappent, Dieu a laissé parce que tu n'es pas sanctifié. Dieu a laissé, tu n'es pas sanctifié, ma sœur. Le peuple était en désaccord avec Dieu. Dieu a laissé les Amoréens frapper les Israélites. C'est vrai. Je suis en désaccord avec Dieu. C'est vrai. J'ai péché. Tu es venu me gagner. C'est vrai. Mais pars. Mais rentre chez toi. Les Amoréens, au lieu de rentrer chez eux, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils sont partis avec ça. Au gagné, Nayo. Au lieu de rentrer, ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils ont dit, on va maintenant les montrer qu'ils sont rien. Les dieux d'Israël, les dieux d'Israël, les dieux d'Israël. Ça, c'est quoi? Non, ici, il y a l'arche, le commandement, la parole de leur Dieu. Ah, prends ça, dit. Allez, on va voir maintenant leur force. Je parle à mes Amoréens ce soir. Cher Amoréen, tu peux me gagner. Mais va en paix. Ne touche pas la parole. Ne touche pas les dieux de Branham. Il se peut que je sois dans la faiblesse. Regarde. Va en paix. Ne prends pas mon message. Ne te moque pas de mon Dieu. Car mon Dieu est le créateur incréé. Alléluia. Ton Dieu à toi, tu l'as créé. Tu as fait un statut. Tu as fait quelque chose. Tu as mis. Mais mon Dieu à moi, il est le créateur incréé. Alléluia. Amen. Mon Dieu à moi, c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mon Dieu à moi, c'est lui qui a formé l'homme à son image. Il a mis le souffle, ce que les scientifiques ne peuvent jamais faire. Ils peuvent créer des robots, mais ils ne peuvent pas créer le sang. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils peuvent créer tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas créer le souffle de vie. Amoréen, tu as gagné. Mais, ne te moque pas de mon Dieu. Les Amoréens ont pris l'arche. Ils sont partis les mettre dans leur temple où il y avait leur Dieu en statue et l'Éternel. Ils
Ils ont oublié que l'arche portait les champs magnétiques de la sainteté. Alléluia. Amen. L'arche portait le champ magnétique de la sainteté, de la puissance de Dieu. Ils ont mis, c'était comme ça. Ça c'est l'arche. Ça c'est l'arche. Ça c'est leur statut. Ils ont mis, c'était comme ça. Ça regardait comme ça. Ils ont dit, ah, leur Dieu, il va voir que notre Dieu maintenant, il lui gouverne. Donc, leur Dieu était comme président. Maintenant, l'arche vice-président. Vous voyez, comment le Dieu d'Israël est petit. Oh, message, message. Oh, reste là. Ils sont partis dormir. Ils ont oublié que l'Éternel ne sommeille ni ne dort. Ah. Le matin, Asubui, ils sont venus. Wakaja, ça, c'est leur Dieu. Si ni mungu wa papa, ils ont trouvé leur Dieu comme ça. Wakutano le mungu wa shaki ukia sanduku ya agano, na napiga magoti mbele sanduku ya agano. Oh! Ah. Dagon! Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dagon! C'est toi le président? Si on jura ici. Les champs magnétiques de la sainteté. Alléluia. Amen. Les champs magnétiques de la sainteté de Dieu. A pris Dagon qui était comme ça. Lui a retourné comme ça. Lui a fait prosterner. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel fasse prosterner tous les dagons de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel fasse prosterner les maladies dans ta vie. Amen. Dis avec moi, Dagon va se prosterner. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Les champs magnétiques de la sainteté. Il est goofy à ce marque autocratif. Dieu est merveilleux. J'ai pas prévu tout ça. Si quand là, tu es venu qu'on a ce mapa. Mais façon ça coule là. Mais qui c'est comme la tiririca apa. Ça coule tellement. Mais quand la tiririca tout ça n'a apa. Je crois la parole qui dit. La Bible déclare, quand tu ouvriras ta bouche, je la remplirai. Dieu est en train de remplir ma bouche ce soir. Je crois que tu sortiras d'ici béni. Tu sortiras d'ici prospère. Car Dagon va se prosterner. C'est dont nous avons besoin ce soir. C'est que Dagon se prosterne. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est que les maladies se prosternent. Oh my God. Merci Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ ni mungu. Oh. Frère Branham dit, là où nous lisions, il faut la puissance dynamique de Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur l'église pour manifester et pour accomplir, montrer que ceci est bien l'essence. Montrer que ceci, c'est bien l'essence. Frère Branham dit, ça peut être, ça pourrait être dans un bidon d'essence. Ça pourrait quand même être de l'eau. Na inaweza kuwa tu ni maji nje kwa mune ndani ya bidon.
Je vais terminer. Je sens la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens connectés ce soir? Frère Branham dit, ça peut être dans un bidon d'essence. Mais ça pourrait quand même être de l'eau. Ce n'est pas le récipient qui va me convaincre que c'est l'essence. C'est l'intérieur qui me convaincra que c'est l'essence. Amen. Amen. Qui connaissent les Kadhafi? Kadhafi? Qui vendent les essences ici? Est-ce qu'ils vendent ça dans des bouteilles d'essence? Ils vendent ça dans des bouteilles de whisky? N'est-ce pas, non? Ils vendent l'essence, mais dans une bouteille de whisky. Kichasa, on a usé ya whisky, la essence de comme l'endan. Et le motard passe, il prend la bouteille de. Na motard on a peut-être qu'on a les machupa ya whisky. Mais à l'intérieur il y a quoi? La kini l'endan ni mukoni ni essence. Ça veut dire la bouteille. Ina manisha kombe le chupa. N'a rien à voir. Ayo usiki atana kitu moya. C'est le contenu. La kini benyabi comme chupa. Il y a d'autres qui vendent le produit pour laver la maison. On l'appelle quoi? Bavéchlore. Détergent. Qui vendent des détergents dans des bouteilles d'eau. N'est-ce pas? Sivio. Dans les bouteilles de 5 litres de l'eau. Mais si tu regardes, c'est la bouteille de l'eau. Et tu dis, ah, comme c'est de l'eau, ah, je vais boire. Tu vas boire le détergent. Tu vas mourir. Si tu vois la bouteille de whisky, ah, je vais prendre le whisky. Ah, une whisky. Comme c'est la bouteille de whisky, c'est le whisky. Whisky. Non, mon frère. Ça peut être la bouteille de whisky, mais c'est l'essence. Comme tout, ça peut être la bouteille de l'essence, mais c'est de l'eau. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ah, j'allais dire avance miracle. Est-ce que je peux avancer? Avance miracle. Est-ce que je peux avancer? Avance miracle. Je veux dire ceci. Ça peut être dans un bâtiment tabernacle. Mais c'est une tombe. On peut écrire. Matembele tabernacle. Maskani matembela. Référence tabernacle. Référence maskani. Mais. Lakini. C'est un tombeau. Ni kaburi hata hivyo. Ça peut être dans une bouteille d'essence. Inaweza kuwa katika chupa ya mafuta ya essence. Mais c'est de l'eau. Lakini ni maji ndio iko mule ndani. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les bâtiments qui comptent. Haiko hii jengo ndio inahesabika. C'est Dieu qui compte. Lakini ni Mungu ndio anahesabika ndani ya jengo. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Oh. Tout tabernacle n'est pas tabernacle. Maskani yote haiko maskani bwana. Dieu dans ces temps du soir. Mungu kwa wakati ya jioni. Il s'est tabernaclé dans la chair humaine. Alikuja kujifanyia maskani ndani ya mwili ya mwanadamu. Alléluia. Amen. Jésus était un jeune homme de 33 ans. Yes, on le voit qui tient le miracle à Makumita Tunatatu. Ça peut être dans une bouteille d'essence. Ça quoi? Mouchoupa ya essence. Oh ma. Jésus. Yes. Était une bouteille de lait caillé. Alikuwa chupa ya maziwa. Maziwa vraiment. Bouteille ya maziwa. Chupa ya maziwa. Jésus. Yes. La Bible a dit. Bible la sema. Il n'avait ni éclat. Aliku hana tamu. Ni beauté. Wa kuangara wala wa urembo flani. Ni la force d'attirer les regards. Ama akukua wa kuvutia watu. Il était dans une bouteille de. Alikuwa mchupa moya hivi kama ni ya. Je peux vers quelle bouteille? Chupa ya nini basi njoni seme. Une bouteille de jus. Chupa ya jus basi tuseme. Il était dans une bouteille de afia. Alikuwa mchupa ya jus afia. Mais en lui. Lakini mule ndani yake.
Il y avait l'essence. Pour remplir tous les réservoirs du monde. Alléluia. Amen. Dans ce temps du soir, jioni, il n'a pas cherché des gens élancés. Il n'a pas cherché des gens robustes. Il est parti prendre un primérien qui ne connaissait même pas son ABC. J'ai envie de sauter et de dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce temps d'histoire, il est venu dans une bouteille. Une bouteille qui n'avait rien d'attirer les regards. Il ne sortait pas d'une école théologique. Il ne savait même pas comment écrire bien son nom. Il n'avait pas fait la théologie. Il n'avait pas une belle écriture. Il parlait un anglais de Kentucky. Il n'était pas né dans la maison des monarques. Il n'était pas né dans la maison des rois. Il était né dans une petite cabane. Une bouteille de maziwa. Mais en lui habitait la colonne de feu. En lui habitait les dieux puissants. En lui habitait le pouvoir de l'infaillibilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne regardez pas l'apparence. Il se peut qu'il soit un jeune homme. Il se peut qu'il soit un petit. Il se peut qu'il n'ait pas 30 ans. Mais dans ce jeune homme, Goliath peut tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton apparence. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ce que tu fais. Mais regarde au Dieu qui est en toi. C'est lui qui est en moi. Et plus fort que c'est lui qui est dans le monde. En ce moment où je parle, j'ai pu affronter tous les chars du combat. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Toi tu ne dis pas amen parce que tu regardes les bouteilles de maziwa. J'ai pu être une bouteille de maziwa. Il se peut que je n'ai pas l'argent. Il se peut que je n'ai pas de beauté. Il se peut que je ne suis pas vieux. Il se peut qu'on n'a pas écrit le message en 82. Bouteille de J. Il se peut qu'on n'a pas écrit le message dans les années 90. Bouteille de maziwa. Mais ne regarde pas ça. Il se peut que j'ai écrit seulement l'année passée. Mais frère Branham a dit, un homme qui a accepté Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, à la minute qui suit, il est plus qu'un prédicateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton apparence. Tu peux, même à l'église, personne ne te met un peu de cas. Bouteille de maziwa. Les gens cherchent l'essence. Mais ils ont vu la bouteille de maziwa. Les dieux qui confondent les voies normales. Les dieux qui confondent les calculs des hommes. Ils s'attendaient à un géant pour détruire Goliath. Ils ont vu un petit là qui est venu. Un petit comme ça. Hey.
Petit frère. Tika ba courage musu za. Acha imabidi, imabidi mbona kuoka nayo. Trop de courage. Kuna mabidi sana petit. Les jeunes de nos jours, ils aiment se voir. Ah babijana ni masiku wala penda jionesha babijana. Nous on a commencé ces choses longtemps. Ouais petit, chier tu lesa kai mambo za mani petit. Quand ce message a commencé dans cette ville. Wakati uju melanza kama imuji. Mais on était un homme de trois. Mina wasa tulikuwa kama tatu hivi. Les pasteurs Sikou, les pères. Mousin Sikou Baba. Et les frères. Il y avait un frère Anaclé, mais il n'est plus tout ici. Anaclé, là, qui n'a couette, n'a pas. Et un autre frère qui venait de là-bas. Nous avons combattu. Tout kansa y jumbe. Et toi seulement hier ici. On a oublié toi pas hier. Tu veux dire quoi? On a tout ça toi bien ni ça. Les grands frères de Gaulle, de David ont dit à David. Par contre, que David est comme Ambia. Tu es prétentieux. Bouteille à Maziwa. Chupa à Maziwa. Olingo rempli réservoir et à Kabira. Kujaza réservoir et à essence quoi. Ne regarde pas la bouteille. Usiangali et chupa. À moi. Dani Yangu. Il y a l'essence. Kuna kuwa mafuta ya essence. Alléluia. Amen. Les grands frères de Goliath, bakubwake na Goliath, ils étaient de grosses bouteilles d'essence. Balikuwa machupa makubwa ya essence. Bifua kabambi kabambi. Mapake. Commando. Bakomando. Quand on voit comme ça, wakati unamwona tu hivi. Lui vraiment bouteille d'essence. Huyu kabisa ni chupa ya essence. C'est qu'il y a l'essence là-bas. Nikusema mnapatikana mafuta ya essence ndani humo. Alors quand Israël avait besoin du carburant, Israël ni kona itaji kupata carburant sasa. Il y a la guerre. Kuna kwa vita. Israël a besoin du carburant. Israël na itaji carburant sasa. Israël a besoin du carburant. Israël sai na itaji carburant. Bouteille d'essence. Chupa ya essence. Grand frère de David. Na Daoudi sasa. Nous avons besoin de tuer Goliath. Itaji sasa monde muue Goliath. On a besoin d'essence. Tunahitaji essence. Les grands frères Bombé. Bale bakubwa ya mapake. Coin. Mais c'est toi le guerrier. Mais si ouais Enjo. Oh, à l'intérieur de la bouteille d'essence du grand frère David, de David. Vous savez, il y avait quoi dedans? À l'intérieur, il y avait de l'eau sucrée. Mais on a écrit bouteille d'essence. Lakini wanaandika kule nje chupa ya essence. Maintenant il y a un petit qui vient du il vient de la brousse. Parce que l'autre petit mon achetait kule mapori kule. Bouteille. Chupa. Maziwa. Maziwa et tout. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Wa milele ambalo likomboka katika makucha ya simba. L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours me délivrera de cette circonstance. Saoul a regardé. Il a dit petit, tu es courageux. Tu as la bouteille de Maziwa. Laisse-moi te faire porter la bouteille d'essence. David a essayé de porter la bouteille d'essence. Il a dit non. Je ne suis pas habitué. Je n'ai pas besoin de la forme. J'ai besoin d'avoir. Il y a une différence entre être et paraître. Tu peux paraître chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux paraître puissant prédicateur. Frère, viens te présenter. C'est moi le pasteur. Miracle. Miracle. Ce n'est pas la grossière de la voix qui compte. Les démons ne craignent pas la grandeur de la voix.
ça peut paraître la bouteille d'essence. Mais les démons craignent le contenu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt de recevoir ton miracle? Ton miracle vient dans la bouteille de Maziwa. Plusieurs personnes se sont demandées. Mais ces jeunes ici viennent d'où? Nous on a traîné dans cette église, on passe même pas ici. Maintenant, ces jeunes ici, ils viennent d'où? Il n'est même pas marié. Pasteur David, les choses qu'il fait. Nous, moi j'ai traîné dans cette église. Même pour modérer, j'ai modéré. Je te respecte beaucoup, bouteille d'essence. Mais moi, je suis à moi, bouteille de Maziwa. Je n'ai pas l'apparence d'un prédicateur. Un témoignage est donné à Frère Branham. On disait, il avait tout, sauf l'apparence d'un prédicateur. Mais cédez-lui la chair. Cédez-lui la chair. Vous verrez. Vous verrez. Que l'apparence de Maziwa. Derrière ça se cache l'essence. Quand Frère Branham dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Alléluia. Je n'ai pas l'apparence qu'il faut. Mais si on est canadien, c'est n'importe quoi. Je n'ai pas la bouteille qu'il faut. Si qu'on chupe un bon je n'ai pas la forme qu'il faut. Na si na umba un bon mais j'ai les dieux qu'il faut. Qui ne nique pas mon bon amen. J'ai les produits qu'il faut. Nicolas Dawa un bon à moi se cache. Naniangu muna jificha. Les 600 000 volts de Dieu. Iyo 600 000 volts ya Mungu. Les champs magnétiques de Dieu. Iyo nkufu ya smako ya Mungu. Est-ce que je peux avancer? Jeneza kusonga mbele. Frère Branham dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Bon, ma sema katika mabiri leo yandiko imetimilika. De 1965. Ya mwaka 1965. 19 février. Siku 19 mwezi wa pili. On va arrêter ici. Tutasimamisha hapa. Et nous voulons voir Jésus. Tutatafuta tumuone Yesu. On a tant parlé. Tumesema mengi. On a beaucoup parlé. Tumesema mengi. Messieurs. Bwana. Nous voudrons voir Jésus. Tunataka tumuone Yesu. Entendre la mécanique de Jésus. Kusikia mundu wa vyuma ya Yesu. Entendre voir la photo de Jésus. Kuona picha ya Yesu. Voir la lettre de Jésus. Kuona barua ya Yesu. C'est dont nous avons besoin ce soir. C'est de papa lui-même. Ni baba mwenyewe. J'ai besoin de voir Jésus. Na itaji ni muone Yesu. Est-ce que je peux avancer? Je ne sais kusonga mbele. Au paragraphe 20. Kwa sheria ya 20. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Maintenant. Sasa. Nous voudrions tirer de ceci une conclusion. Tunatafuta kutosha mkaguo mwai. Lève-toi, on va tirer la conclusion. Lève-toi. Lève-toi. Quand tu te lèves là, sois en prière. Ne te lève pas charnellement. Car Dieu fait des choses maintenant ce soir. Frère Branham a dit. Maintenant. Nous voudrions tirer de ceci une conclusion. Nous voulons tirer une. Tunatafuta tosha mwa hii mkaguo. Nous allons conclure ce soir. Tutafanya mkaguo jioni ya leo. Si Dieu kama Mungu n'agit pas, hatende, oh Jésus, on vient pas demain. Hatutakuya kesho. Amen. Seigneur. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si vous devenez sérieux avec Dieu, kama unakuwa mwaminifu na Mungu, il deviendra sérieux avec Mungu vous. Mungu naye atakuwa mwaminifu na wewe. De par moment, il faut regarder Dieu. Mara inabidi kuangalia Mungu. Seigneur,
si tu ne viens pas kama haukuye, maintenant sai, moi mie uyu, et toi c'est fini na, weye minaishia hapa, hapa. Moi je ne viendrai pas à l'église si demain sita kuyangu kukanisa kesho. Je ne prêche pas un Dieu historique. Mie siko na ubiri Mungu wa hadithi hapana. Je ne prêche pas un Dieu dans la tombe. Je ne prêche pas les dieux de demain. Je prêche les dieux de maintenant. Les dieux de l'instant. Les dieux d'aujourd'hui. Les dieux de maintenant même. J'ai dit au début, la main visible de Dieu va te toucher. Je prêche les dieux de maintenant. Tu peux les sentir là où tu es. Nous allons tirer de ceci une conclusion. Frère Branham dit, montrer combien la parole de Dieu est dynamique. Oh, nous pouvons tous arriver à comprendre la mécanique. Tout le monde peut comprendre la mécanique. Même un scientifique, il peut lire et il comprend que le Jésus de l'Ancien Testament, c'est vraiment le Jésus de l'Ancien Testament. Tout le monde peut comprendre la mécanique. Même les théologiens comprennent. Jésus est Dieu. Oui, oui. Regardez en Genèse. Si vous comparez en Exode, vous comparez en Jean, c'est la même personne. Nous pouvons tous comprendre la mécanique. Mais frère Branham dit, mais il faut la dynamique pour la faire agir. Ce soir, je veux la dynamique de Dieu. Je veux la dynamique de Dieu. Pour les faire agir. Je veux la dynamique de Dieu. Que les pianistes soient là. Je veux la dynamique de Dieu. Pour faire agir Dieu. Nous avons trop parlé. Nous avons parlé de citation. Si Dieu est Dieu, qu'il fasse sa propre publicité. Elie a dit au Mont Carmel, nous saurons aujourd'hui qui est Dieu. Mungu ni nani? Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Si Baal répond par le feu, allez chez Baal. Allez chez Baal. Élie était sérieux avec Dieu. Seigneur, si tu ne réponds pas et que Baal répond, nous laissons les messages. Nous partons chez Baal. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne ferai jamais faveur à un Dieu historique. Je n'ai pas de négociation à faire avec un Dieu historique. Si Dieu est Dieu, que les malades soient guéris. Si Dieu est Dieu, que les paralytiques marchent. Si Dieu est Dieu, kama Mungu ni Mungu, tu ne seras pas opéré. Hautapasuliwa. Si Dieu est Dieu, kama Mungu ni Mungu, que les tumeurs disparaissent. Vivimba na vipote. C'est dont nous avons besoin ce soir. C'est la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'un Dieu vivant. Nous avons besoin d'un Dieu qui agit. Nous avons besoin d'un Dieu qui répond. Alors nous allons élever nos mains. Nous allons chanter. Et la présence de Dieu va descendre. Dieu va te toucher là où tu es. Là où les pasteurs ne peuvent pas te toucher. Dieu va te toucher maintenant.
Là où le diacre ne peut pas te toucher, Dieu va te toucher maintenant. Il est Dieu. Il est infaillible. Il est puissant. Il est réel. Il est fort. Il ne joue jamais. Il ne ment jamais. Oh Dieu. Oh Dieu. Tous dans la chambre haute étaient comme un accord quand le Saint-Esprit descendit compromis. Oh Seigneur, sa puissance te traverse maintenant. Envoie ta puissance. Merci, cher Saint-Esprit. Dieu touche des gens ce soir. Esprit, la mort a disparu. Les grands jours s'élevaient, les jours de miracles, les jours de la guérison, les jours de la bénédiction s'élevaient. Yeah.
Élève ta voix et commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux mon miracle maintenant. Seigneur, je veux te voir ce soir. Ce dont j'ai besoin ce soir, c'est de voir Jésus. C'est de toucher Jésus. C'est de palper Jésus. J'ai besoin d'expérimenter des choses que je n'ai pas expérimentées. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce soir.
Là où tu es, où tu vas jouer, il y a une forte présence du Saint-Esprit. Je vois des dossiers qui n'ont pas de réponse, trouver des réponses. Des dossiers de contrat. Des dossiers de projet. Qui jusque-là n'ont pas de solution. Qui jusque-là n'ont pas de réponse. Je vois ces dossiers être classés au devant au nom de Jésus-Christ. Des problèmes que toute la famille avait abandonné. Oh my God. Merci Jésus. Je vois des femmes en train de pleurer. Il y a des femmes. Je me dis, il y a des femmes qui pleurent beaucoup ici. Pour des problèmes que seul papa peut résoudre. Pour des situations que seul papa peut accomplir. Des hommes et des femmes en train de pleurer matin, nuit et soir. Des années, il n'y a pas de solution. Papa est venu t'essuyer les larmes ce soir. Papa est venu essuyer tes larmes ce soir. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Santi buona. Merci Seigneur. Santi buona. Pour ta main. Kwa ajili ya mkono wako. Pour ta visitation. Kwa ajili ya kutembelea kwako. Un sauveur. Jésus lui-même. Jésus lui-même. Jésus lui-même eut pitié de mon offense. Et il me dit quoi? Jésus,
Jésus, à Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta main puissante. La main de Dieu te sort de la convoitise. La main de Dieu te sauve du péché, te sauve de la mort, te réduit du fumier. Je vais prier pour toi. Seigneur, tel que nous avons chanté, à ce Jésus je m'abandonne. Je ne m'abandonne pas pour un instant, mais je m'abandonne désormais et pour toujours. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Désormais pour toujours, je vous donnerai du repos. La Bible déclare, même si vos péchés sont roux comme la cramoisie, je les rendrai blancs que neige. Non pas pour un instant, mais désormais pour toujours. Ainsi ma soeur qui a levé la main, ainsi mon frère qui a levé la main, viennent déposer ses fardeaux à toi. Désormais pour toujours. Il est léger, il est déchargé. Désormais pour toujours. Toutes les maladies qu'il portait sur eux, Seigneur, il les dépose devant toi. Désormais pour toujours, je déclare le nom de Jésus-Christ que chaque maladie ce soir
a l'obligation de quitter le corps. Seigneur, que tout se soit guéri. Désormais pour toujours. Désormais pour toujours. S'il y a des pauvres ce soir, au nom de Jésus-Christ, par ses mains qui sont levées, qu'ils reçoivent des millions de dollars. Amen. Désormais pour toujours. Amen. S'il y a des chômeurs ce soir, que cette semaine ne prenne pas fin. Qu'on puisse les embaucher. Désormais pour toujours. Amen. Toi, le Dieu qui contourne les voies normales, donne du travail sans demande d'emploi. Sans qu'il puisse déposer un CV. Nous ne ressemblons à rien, Seigneur. Nous ressemblons comme à une bouteille de maziwa. Mais Seigneur, en nous se trouve le Dieu puissant. Seigneur, c'est toi notre essence. L'essence de ma famille. L'essence du monter de ma famille. L'essence du monter de mon mariage. L'essence du monter de mon foyer. L'essence du monter de mon mari. L'essence du monter de ma femme. Tu es le mazout qu'il faut. Seigneur, donne-nous la victoire ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, élève ta main et déclare avec moi. Répète après moi. Désormais, je suis béni. Lève-toi, 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 lève-toi. Qu'aucun ne reste assis. Déclare désormais. Je suis béni. Désormais, je suis guéri. Désormais, je suis prospère. Désormais, je suis heureux. Je suis champion. Désormais, Satan n'a pas de droit sur moi. Désormais, les démons n'ont pas de droit sur moi. Désormais, la crise n'entrera pas dans ma maison. Désormais, la crise n'entrera pas dans ma famille. Désormais, la crise ne touchera pas mon foyer. Ne touchera pas mes affaires. Désormais, la crise ne touchera pas. La crise ne touchera pas tes activités au nom de Jésus. Car tu as reçu Élie dans ta maison. Même si les voisins sont affamés, toi tu vas manger.
Même si les collègues ne vendent pas, toi tu vas vendre. Si dans ta famille, les gens se marient toujours en retard, toi tu vas te marier avant. Kama mchama yako, watu wanakuwa wake sheni wa ole wake, wa utaolewa mbele. Désormais, kuanzia leo, je porte les dieux puissants. Ninabeba Mungu mwenye nguvu. Tu portes en toi les dieux puissants. Unabeba ndani yako Mungu mwenye nguvu. Seigneur, merci pour les guérisons. Asante Bwana kwa ajili ya uponyaji. Merci pour les témoignages que tu as donné. Asante kwa ajili ya ushuhuda ambao umepana. Merci pour les miracles que tu as accompli. Asante kwa ajili ya miujiza ambayo unatimiza. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Tunabariki jina lako Bwana. Nous te bénissons. Tunakubariki Bwana. Nous te louons. Tunakusifu. Que la gloire, kwa utukufu. Que l'honneur te revienne au siècle des siècles dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous poussons des cris de joie. Gloire à Dieu. Quand tu te mets, tu acclames encore pour le Seigneur Jésus. Salut 5 personnes. Salut 5 personnes. Dis-lui désormais que Dieu bénisse les gens qui se déplacent. Les gens qui sont toujours dans leurs chaises. Vos vies vont rester comme ça. Déplace-toi. Salut 5 personnes. Dis-lui désormais. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Dis-lui, des nouvelles choses sont déclarées. Dis-lui, on parlera de moi. Dis-lui, désormais, c'est dont j'ai besoin. Il est un bon étage. C'est Jésus. Ni Yesu. Que Dieu vous bénisse richement.